Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière à temps plein ou à temps partiel. Chers amis, c'est le jeudi 14 mars 2019. J'ai quelque chose pour vous dans les heures qui vont suivre, qui a un lien qui m'a été envoyé par un abonné que je salue et que je vraiment remercie du plus profond du cœur. Et je lui dis que Dieu te bénisse, mon enfant. C'est incroyable. Vous allez voir. Ce que vous allez voir, c'est renversant. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une bande dessinée, oui, qui remonte à plus de 60 ans, qui nous explique exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous mettrai des images. Je vais vous laisser le lien tout à l'heure de cette vidéo-là sur YouTube, dans la boîte de description. Je vais vous expliquer en gros c'est quoi. Je vais vous traduire en gros c'est quoi parce que c'est en anglais. Et après ça, vous allez pouvoir la visionner. Et je vous avertis, prenez-vous un sac de chips. Là, ça vaut la peine. Une bouteille de Coca-Cola ou n'importe quoi. Puis, comme on dit en anglais, enjoy the show. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, un autre lien qui m'a été envoyé par un abonné. Est-ce que je vous ai dit qu'on était le jeudi 13 mars 2019? 9h19, heure du Québec. C'est extraordinaire. La vie est belle. Même dans la misère, la vie est belle. Parce que c'est dans la misère qu'on se rend compte que la vie est vraiment belle quand ça va bien. Donc, on a besoin de la misère pour avoir une belle vie. Ceci étant dit, chers amis, un lien qui m'est envoyé encore une fois. Merci beaucoup. Un phénomène extraordinaire s'est passé dans la vallée de la mort, ce qu'on appelle la vallée de la mort, dans le désert de la vallée de la mort en Californie. C'est probablement l'endroit, un des endroits les plus secs et arides au monde, qui a connu des pluies diluviennes il y a quelques jours et qui ont fait apparaître un lac, imaginez-vous, dans la vallée de la mort, qui est considéré comme un des lieux les plus chauds et arides au monde. Pourtant, c'est bel et bien arrivé au milieu du désert californien qui s'étend aujourd'hui un immense lac de 16 km de long, une découverte insolite révélée par le photographe Elliot McGookin. Et on peut voir le fameux lac ici qui est apparu dans cette vallée du désert. L'origine du phénomène n'est pas inconnue. Selon le National Park Service, le désert n'enregistre habituellement que 5 à 6 cm de pluie en moyenne chaque année. Mais la semaine passée, le parc national de la vallée de la mort a été balayé par une tempête qui a provoqué des pluies abondantes et des inondations. Le météorologue Chris Dolce a expliqué à weather.com qu'environ 2,3 cm de pluie était tombé en l'espace de quelques jours, au début de mars. Voyez-vous? Alors qu'habituellement, on en reçoit 5 à 6 cm dans l'année. Là, on a reçu 2,3 cm en l'espace de quelques jours. Et ça suffit naturellement, avec toute cette terre qui est sèche et sèche, d'arriver et de créer ce lac, parce que naturellement, l'eau qui tombe en abondance a tendance à former une étendue plutôt qu'à être absorbée. Une sensation surréaliste après les intempéries. Elliot, le photographe, s'est ainsi rendu dans la vallée de la mort pour réaliser des photos du bassin Bad Water, pensant que l'eau s'y serait accumulée, mais c'est sur un lac entier qu'il est tombé. C'est une sensation surréaliste de voir autant d'eau dans l'endroit le plus aride au monde. Ce n'est pas un spectacle auquel vous vous attendiez dans l'endroit le plus sec. Un des endroits les plus secs au monde, c'est ce fameux lac. Incroyable. Il y a une vidéo, je vous laisserai la vidéo, le lien, juste pour vous dire comment les changements climatiques changent tout en ce moment. On a vu le désert de l'Arabie Saoudite, je vous en ai montré plein d'images il n'y a pas si longtemps, où ça refleurit et ça refleurit. C'est incroyable. Donc, c'est comme les sols sont secs et très compacts, c'est comme si on versait de l'eau sur du béton. Donc, ça s'accumule. Et ça nous donne cette image surréaliste d'un lac qui s'est créé. Vraiment, les changements climatiques qui nous attendent, chers amis, printemps, été, attachez vos tuques, même si vous n'en aurez plus besoin parce qu'il va faire assez chaud, vous allez voir des choses uniques. On vit des moments historiques.